Dans le sol, il y a aussi une banque de graines, et elle est essentielle puisque c'est elle qui va permettre de réobtenir des végétaux. Donc moi, mon propos va aujourd'hui être essentiellement de vous parler de cette banque de graines, comment elle se forme, comment elle évolue, et puis comment elle intervient dans la dynamique des milieux et comment elle est utilisée dans la restauration écologique, en particulier sur terrain minier. Alors je vais passer quelques généralités puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Pour simplement vous signaler que cette banque de graines, eh bien, elle est située dans les premiers centimètres du sol, en accompagnement donc des éléments dont on vous a déjà parlé, la matière organique, les micro-organismes. Et cette banque de graines, justement, elle intervient essentiellement dans le. Elle a un rôle important évidemment pour la reconstitution des milieux. Et elle est constituée, vous le verrez, je vais vous montrer quelques photos, d'une très grande variété de graines, puisque là, la diversité de ces graines est importante. Alors, comment elle se fait, cette banque de graines? Eh bien, c'est assez simple finalement, hein. C'est les plantes qui, au cours de leur reproduction, vont produire ces graines. Ces graines vont être dispersées, alors avec des modes de dispersion très variés, hein, des modes de dispersion par le vent, des modes de dispersion par l'intermédiaire des animaux. Et ces modes de dispersion, que ce soit pour les végétaux type angiosperme, donc les plantes à fleurs, ou que ce soit pour les fougères, le principe est à peu près le même. On a cette diffusion soit par le vent, soit par les animaux. Et cette dispersion, eh bien, va permettre, en fonction du mode de la dispersion sur des distances plus ou moins longues. Et ces graines vont donc tomber au sol, mais vous voyez, les dispersions et le type de graines sont très variables. On peut avoir des graines de ce type qui sont des graines ailées, donc qui sont plutôt des graines dispersées par le vent, qui sont souvent des graines de petite taille et qui ont un poids aussi très léger, ce qui permet justement des dispersions sur les très grandes distances, ce qu'on appelle la dispersion anémochore. Et puis vous avez des graines ou voire des fruits qui sont indéhiscents, c'est-à-dire que le fruit entier va être dispersé avec la graine à l'intérieur. Et la plupart du temps, lorsque ces fruits indéhiscents présentent une pulpe, ils vont attirer les animaux qui vont donc s'en nourrir, qui vont les digérer entre guillemets pour partie, et qui vont ensuite relibérer les graines dans leurs excréments, qui plus est avec de la matière organique, ce qui favorise l'installation des plantes après. Et également des fruits indéhiscents, non pulpeux, des fruits à structure externe sèche, qui peuvent être aussi digérés, enfin qui peuvent être aussi consommés par les animaux, souvent par les oiseaux, mais qui parfois tombent tout simplement par gravité au pied de la plante. Dans tous les cas, et quel que soit le mode de dispersion, eh bien, ces graines tombent au sol, bien évidemment, et ces graines vont subir différentes pressions, soit des pressions de prédation, et bien évidemment, dans ce cas-là, eh bien, les graines sont perdues, soit les graines vont mourir naturellement, hein, puisqu'elles ont une durée de vie aussi qui leur est spécifique. Soit ces graines vont trouver des conditions qui leur sont favorables pour la germination. La germination va donc avoir lieu, mais la germination sous-entend que les conditions ne doivent pas être simplement favorables pour germer, mais aussi pour installer la plantule. Et il suffit que vous ayez une germination parce qu'il a plu, et vous ayez après 3 mois de sécheresse, comme on est parti pour actuellement, et donc du coup votre plantule, elle va mourir. Donc même si la germination a bien fonctionné, elle peut aussi être avortée, et l'installation, elle aussi, peut être avortée. Et dans le meilleur des cas, bien entendu, on a la germination et l'installation de la plantule qui va donner la plante. D'où la nécessité, vous vous en doutez, d'avoir une banque de graines riche pour pouvoir augmenter les chances d'installation des plantes. Alors, je vais essayer à chaque fois de vous présenter des résultats de travaux, hein, qui ont été menés en Nouvelle-Calédonie, mais de manière générale, cette banque de graines, elle est située, c'est assez reconnu internationalement, dans les quelques premiers centimètres du sol. Il y a des travaux qui ont été menés ici dans les milieux ultramafiques et là aussi qui ont permis de montrer que, eh bien, ces graines sont situées, vous le voyez, dans la majorité dans les 2 premiers centimètres du sol. On en retrouve encore un peu entre 2 et 5 centimètres et très très peu dans 5 à 10 centimètres. Donc le sol de surface qui est décapé par les miniers doit être justement géré de manière j'allais dire intelligente, oui, c'est le cas, hein, de manière intelligente, pour que justement on puisse récupérer au maximum cette banque de graines qui, vous allez voir, est essentielle à la restauration écologique. Donc ne pas aller chercher des profondeurs trop importantes, puisqu'on va diluer la banque de graines si on va chercher en profondeur. Donc rester sur des profondeurs qui restent acceptables à la fois pour les graines, mais également pour les micro-organismes.
Alors j'en reviens à ce schéma qui est un autre schéma mais qui représente la même chose. Donc vous avez ces graines qui vont tomber au niveau du sol. Et vous allez voir, il y a deux types de graines en fait qui proviennent des végétaux, des graines qu'on appelle des graines non dormantes et des graines qu'on appelle des graines dormantes. Les deux vont constituer la banque du sol, mais les graines dormantes sont en général les graines qui vont persister le plus longtemps dans cette banque de sol, sauf si ces sols sont peu exposés à la pluie, puisqu'on a aussi des graines non dormantes qui peuvent se maintenir, mais comme elles sont non dormantes, dès qu'il y a de la pluie, elles vont avoir tendance à germer. Donc avec cet enfouissement plus ou moins profond, comme je vous l'ai présenté juste avant, et c'est très souvent les graines dormantes qui sont enfouies en profondeur, parce qu'elles ont tendance à rester plus longtemps, donc évidemment avec au cours du temps, la pluie qui va évidemment percoler dans le sol et va emporter les graines au fur et à mesure du temps, donc c'est plutôt les graines dormantes qui se maintiennent, qui vont plutôt être dans les phases profondes, enfin profondes, c'est relatif, hein, 10 cm. Alors qu'est-ce que c'est qu'une graine non dormante et une graine dormante? Alors une graine non dormante, eh bien, c'est une graine qui va germer très rapidement, vous pouvez le voir sur cette courbe de germination ici en bas à droite. Une graine non dormante va germer en voyant très rapidement, en général en moins de 30 jours, et la quasi-totalité du lot de graines que vous mettez à germer, vous voyez, on atteint quasiment 90% de germination, se fait en moins de 30 jours. Donc c'est des graines qui, dès qu'elles vont avoir des conditions favorables, de l'eau, elles vont germer rapidement. A l'inverse, vous avez des graines à dormance, et dans ce cas-là, on a toute une panoplie de dormance, que je ne vais pas développer ici, mais simplement pour le principe, le fait de la présence d'une dormance fait qu'une graine va avoir besoin, dans un certain cas, par exemple, d'avoir son tégument qui soit dégradé pour que l'eau puisse rentrer à l'intérieur, c'est le cas des graines imperméables à l'eau. Souvent, ces graines sont consommées par les animaux, par les oiseaux, par exemple, qui vont digérer justement ce tégument, et lorsqu'ils vont les rejeter dans leurs excréments, eh bien, ces graines pourront germer. Certaines autres, enfin, ces graines de ce type-là également peuvent aussi ne pas passer par les animaux, mais être dégradées dans le sol par les micro-organismes, là aussi, qui vont fragiliser la structure du tégument et permettre leur germination. Et puis on a des graines qui ont des dormances qu'on appelle les dormances physiologiques, donc plus ou moins profondes, qui peuvent être facilement levées par des traitements en laboratoire et parfois même très très difficilement. C'est des graines à dormance très profonde. Là vous en avez un exemple, vous voyez que les premières graines dans ce lot de graines germent à 50 jours et 250 jours, donc quasiment une année après, on n'a que 15% du lot qui a germé. Et pour certains des travaux qui ont pu être menés, on peut se rendre compte qu'après 5 ans, 6 ans, on peut encore avoir des graines comme ça, une de temps en temps, qui germent. Donc l'intérêt dans le milieu naturel, c'est bien évidemment que cet étalement de la germination fait que les chances d'installation de la plantule sont aussi plus importantes. Alors pourquoi c'est important d'avoir des graines dormantes et non dormantes? Eh bien, les graines dormantes, comme je vous le disais tout à l'heure, vont pouvoir se maintenir pendant de nombreuses années à l'intérieur du sol. Donc ça, c'est les résultats des travaux dont parlait Hamid juste avant, du CNRT et Commune Biotope, qui ont été menés sur un topsoil qui a été conservé. Et on constate que sur ce topsoil conservé, les densités de germination, donc le nombre de plantules qui vont sortir après germination des graines, est très important au moment de l'étalement du topsoil. Et puis on constate qu'on continue à avoir une certaine densité de germination, même après 30 à 36 mois. Autrement dit, à l'intérieur de ce sol, de ce topsoil, eh bien, la banque de graines se maintient pendant un temps très long. Par contre, si on compare la composition floristique de cette banque de graines, on se rend compte qu'au début, à l'instant T0, les graines qui vont le plus germer sont les graines non dormantes. Alors tout simplement parce qu'elles ont trouvé les conditions et puis qu'elles vont germer très vite. Et vous voyez que, eh bien, après, ces graines non dormantes ont quasiment disparu. Alors, on en retrouve à 12, 18, 30 mois. Il y a toujours, comme je vous le disais, quelques exceptions à la règle. Mais globalement, les graines non dormantes vont germer très rapidement. Puis les graines dormantes, c'est elles qui vont prendre le relais et qui vont maintenir, justement, cette densité de germination au cours du temps. Alors, comment ça se passe pour ce qui est justement de la régénération naturelle à partir du topsoil et de ses implications pour la restauration écologique? Eh bien, des travaux sont menés à la fois en conditions contrôlées. Vous voyez, donc on va prélever du topsoil dans différents types de milieux, types de végétation. On regarde justement la richesse spécifique qui va sortir de ces topsoils pour ce qui est de la constitution de la banque de graines. Et puis, on va regarder également la quantité de plantules qui va en être issue. Là, vous avez une évolution
d'un même top soil au cours du temps, hein, avec très peu de germination au début, et puis bien évidemment une plus grande densité de germination au cours du temps, et une installation, une couverture de plus en plus importante des bacs de germination. Donc là, on est dans des conditions évidemment semi-contrôlées, c'est-à-dire qu'on arrose régulièrement, on augmente les chances de maintien des plantules, donc c'est plus facile de pouvoir analyser sa diversité spécifique et la quantité de graines présentes à l'intérieur. Alors, ce qu'on constate très rapidement sur les sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie, c'est que, enfin, du moins en maquis, c'est qu'on a essentiellement la présence en quantité d'individus d'espèces de la famille des cyperacées, c'est-à-dire les herbacées, les premières qui vont s'installer dans la succession écologique. On a aussi une grande diversité de dicotylédones, mais par contre, on a un nombre d'individus beaucoup plus étroit. Il suffit de regarder à l'échelle de l'axe des ordonnées, vous voyez qu'on a à peu près 60 émergences pour, dans le meilleur des cas, et voire une émergence pour le long mandrin à l'autre bout, alors que si les cyperacées, vous voyez que quelle que soit l'espèce considérée, sauf peut-être pour le chenu juvenis, vous voyez qu'on a des émergences de l'ordre de 300 individus, donc quasiment le 5 fois plus. Donc, le plus important à relever de ça, c'est que ce sont surtout les herbacées qui vont, quels que soient les types de maquis considérés, que ce soit les maquis très ouverts ou les maquis paraforestiers, donc qui sont très proches du milieu forestier, on a majoritairement le développement des cyperacées. Par contre, un autre enseignement nous ont apporté les travaux sur ces topsoils, c'est que ces topsoils ne suffisaient pas à ramener la diversité du milieu d'origine qui a été dégradé par l'activité minière. En gros, grâce au topsoil, on arrive à réobtenir environ entre 10 et 25% dans le meilleur des cas de la diversité spécifique de départ. Donc si vous avez 100 espèces au départ quand vous faites votre relevé botanique, au final vous n'en avez que 25 qui vont, dans le meilleur des cas, sortir du topsoil, mais il n'empêche malgré tout que l'importance de topsoil est essentielle pour réobtenir ces individus et ces espèces. On fait également des essais in situ pour pouvoir comparer avec les résultats qu'on a en laboratoire. Donc là, vous avez la mécanisation de la récupération de ce topsoil et son étalement. Et puis, donc les travaux ont permis, ça c'est un travail qui a été mené en 2006 sur la Tantuta, sur un topsoil qui a été étalé, de montrer que, on a une évolution de ce topsoil au cours du temps, qui permet de récupérer dans un premier temps, vous voyez, une dizaine d'individus avec 6 espèces. Donc on est très loin de ce qu'on a en serre, puisque en serre, sur 1 mètre carré, on arrive à avoir 300 émergences. Donc c'est juste pour relativiser. Au bout de 2 ans, vous avez 12 à 20 individus, avec une augmentation de la diversité spécifique, du fait justement de ces graines dormantes qui vont germer. Et puis là, vous avez au bout de 4 ans une estimation de ce que ça peut donner avec un taux de recouvrement qui peut atteindre jusqu'à 25%. Donc là, ça montre les avantages d'un bon topsoil. Alors je dis bon topsoil parce qu'il y a des mauvais topsoils, soit parce qu'ils sont mal manipulés ou soit parce qu'ils sont stockés trop longtemps. Donc un bon topsoil, c'est celui qui est pris frais, réétalé et qui provient d'un milieu justement où la banque de graines est riche. Et à partir d'un bon topsoil, on arrive justement à obtenir un nombre intéressant d'espèces et d'individus sur une période assez courte, donc là aussi intéressant pour stabiliser ce sol. Et puis on a pu évaluer qu'il y avait une bonne capacité de recouvrement en moins de 10 ans, et ceci dans de bonnes situations bien entendu. Et quand je dis capacité de recouvrement, ça ne veut pas dire une restauration du milieu d'origine. Capacité de recouvrement, ça peut être un champ de cyperacées, donc un champ d'herbacées, mais il n'empêche qu'on est dans la première phase de la succession écologique et qu'on a réenclenché le système pour qu'il retourne vers l'état initial. Quelques exemples ici de topsoil qui ont été étalés dans la zone de vallée. Donc un topsoil après 3 ans, donc vous voyez essentiellement des herbacées. La même chose à peu près, de mémoire, Laurent, 7 ans, 5 à 7 ans, c'est ça. Donc là, encore une fois, vous voyez, on a un recouvrement quasi complet de la zone, encore une fois par des herbacées, mais on crée des niches écologiques qui vont permettre l'installation d'autres espèces à partir des milieux environnants qui servent de semenciers. Un autre exemple encore sur Tibagi, ici, un topsoil étalé après 5 ans, cette fois-ci sur une verse en rocher. Donc vous voyez que l'intérêt d'utiliser le topsoil. Et pour remettre ça à une échelle beaucoup plus large de la restauration, eh bien, si on regarde aujourd'hui, là, c'est un travail qui a été mené, une évaluation qui a été menée sur justement la zone de vallée de Goro.
on se rend compte que si on utilise le topsoil, on peut récupérer, dans le cas de notre analyse, là, à peu près 16% des espèces, 16% de la diversité d'origine à partir de ce topsoil. On se rend compte qu'on peut récupérer à peu près 9% de la diversité grâce à la dispersion naturelle à partir du milieu environnant. Et puis, on est capable, à travers d'autres travaux de recherche que je ne vous présente pas aujourd'hui, d'obtenir la réintroduction par plantation à partir de graines sans traitement, donc c'est des graines non dormantes, ou avec des graines après traitement, donc dormantes, vous voyez, 33% dans le cas de graines non dormantes, 18% des espèces dans le cas de graines dormantes. Et puis on est capable également, mais on l'utilise le moins possible en restauration écologique, de produire également des plants par bouturage. Alors pourquoi on l'utilise moins? Parce que tout simplement la diversité génétique est moins importante quand on utilise des boutures, ce sont des clones, que l'utilisation des graines. Et puis en fait, la seule part qu'on n'arrive pas encore à contrôler aujourd'hui, c'est à peu près 13%. Donc si les choses sont faites de manière, sont bien faites, avec des pré-traitements pour les graines, l'utilisation du topsoil, etc., 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 vraiment de manière parfaite, on peut potentiellement récupérer 85% des espèces du milieu d'origine à partir de la restauration qu'on peut mener. Alors je dis bien, hein, j'insiste bien, si on fait les choses de manière parfaite. D'accord ? Donc on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention.